Bonjour. Salut, salut. Je dois revenir dans les bases spirituelles avec vous, à nouveau. Ok? Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes. Vous me suivez depuis longtemps, mais ça ne veut pas dire que vous faites ce que je dis. Je passe mon temps à vous parler de ceci tous les jours en ligne. Faites votre travail spirituel. Travaillez sur vous. Je parle avec une jeune fille aujourd'hui. Elle est là. Ça fait 2 ans que je te suis. Ça fait 2 ans que je te suis. Ok, c'est bien beau, ça fait 2 ans que tu me suis. Mais depuis les 2 ans-là, elle ne se lave pas avec le sel. Elle ne fait aucun bain. C'est comme ça qu'on vous attaque. C'est comme ça qu'on vous attaque. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Non, tu sais, je me lave au sel de temps en temps. Temps en temps, là, c'est une fois tous les 6 mois. Je vais vous expliquer comment. Prends le sel dans une cuillère à café. Le sel que tu as à la maison. Je vends aussi le sel. Tu mets dans ton eau de bain. Tu finis de te laver avec le savon. Cette eau dans laquelle tu as mis le sel là, tu lis le psaume 35 et 91. Tu dédies, dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu désires? Tu verses l'eau là sur toi. C'est Dieu. Quelle est cette paresse sur laquelle vous êtes et on vous attaque? Quelle est cette paresse dans laquelle vous êtes? Oh! C'est pour ça qu'en fait, on vous attaque. Ça m'embête. Je passe mon temps à vous parler. En fait, votre problème, c'est que ça m'attriste un peu. Parce que quand vous faites comme ça, que tu te laves au sel ou pas,
Il y a des gens qui sont envoyés là pour te bloquer. Il y a des gens qui sont en mission pour te bloquer. Vous cherchez le travail, vous ne l'avez pas, Bruxelles, non? Parfois, j'ai même l'impression que c'est vous qui cherchez. Parfois, j'ai même l'impression que les attaques que vous subissez, vous les méritez, en fait. Parfois, j'ai envie de vous dire que vous méritez. Vous méritez les attaques que vous subissez. Parfois, tu passes une journée comme ça, tu ne vois pas comment ta journée avance. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. On demande que, ok, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Oui, je devais, je ne sais pas, je devais. Ce matin, j'ai fait le direct avec l'une des personnes qui me suit. Et là, elle parlait, elle disait comment depuis que se lave au sel, son intuition s'est développée. On vous entend, Christian. Elle disait que son intuition s'est développée. Parfois, quand je me casse, j'enseigne ici. J'enseigne. Quand je tombe sur quelqu'un qui me dit que tu sais quoi, ce que tu fais, ça m'a aidé. Ça m'encourage. Parce que vous faites, c'est comme si vous faites l'effort. Il y a mon père qui est dans le direct ici, là. Bonjour, papa, je vais bien. Parfois, quand vous restez comme ça, hein, que vous avez des blocages qui sont sur vous depuis au moins 15 ans, depuis au moins 15 ans. Tu es là comme ça, tu tournes en rond. Tu as essayé de faire ton visa, ça ne marche pas. Tu as essayé de faire tes choses, ça ne marche pas. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Je ne vous demande pas de prendre le sel, vous mettez dans l'eau pour faire ça une fois en 6 mois. Je suis allée faire des courses aujourd'hui. Je tombe sur... Ce qui est bien quand je suis hors du Cameroun, c'est que quand les femmes me voient, les Camerounais sont un peu... Je ne vais pas... Elles ont honte. On va dire comme ça, pour être gentil. Elles ont honte. Donc, elles ne peuvent pas venir vers toi pour te dire que... Voilà. Si tu ne sais pas comment ça se passe, va dans ma vidéo. J'ai mes premières vidéos sur ma page qui parlent du sel. Si c'est l'Ivoirienne, elle va te dire, ah tiens, moi je te vois en ligne. La Gabonaise va venir te dire, ah tiens, moi je te vois. Donc, je suis tombée sur tellement de jeunes filles aujourd'hui. Je dis, ouais. Oui, bonjour, tantine. Oui, je suis souvent vos vidéos. En fait, c'est comme si quand vous tombez sur ma page, vous me voyez comme... Je vais me dire ça comment. Vous pensez que je suis seulement en ligne pour... En fait, je n'ai rien à faire de ma journée. Je suis seulement là pour... Non. On parle de ta vie, en fait. On parle de quelque chose qui peut t'aider. Merci, Diamant Noir. Une me dit, je voulais consulter une dame là, je parle, je prends le téléphone là, je l'appelle. Oui, je suis au Mali. Ça fait 2 ans que je vous suis. Elle dit, ok, tu te laves au sel. Souvent. En fait, en 2 ans, elle s'est lavée au sel peut-être 3 fois. Hein. Merci Fabi. Je lui dis que mamie, ok. Bon oui, mais ma vie est bloquée. Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui te dépasse pour prendre... En fait... Hey. Oh.
Et vous partez toujours chercher l'espoir chez d'autres personnes. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Moi, je te suis par la grâce depuis fin 2022. Je tombe toujours sur des vidéos qui m'interpellent. Mais la discipline, c'est la première chose que j'ai mis en place. Très important. Très, très, très important. Merci, Louise. Bonsoir, Odile. Diaban Noir, tu es en train de te relever. Ne dis même pas que tu as perdu quelque chose. En fait, je veux aussi vous donner un secret. Quand vous perdez des choses et vous commencez à vous éveiller, le direct sur les ports, je me rappelle du jour où j'ai parlé des ports. Je me rappelle parfaitement. C'était en les ports. J'avais les locks. Ça devait être en août 2023. Les ports. Soit juillet, soit août 2023. Oui. Parce qu'il y avait un port dont je m'étais débarrassé à l'époque là. Donc quand il parlait des ports, ça résonnait dans mon esprit. Voilà, Fabie dit que les vidéos ont changé sa vie. Quand tu traverses quelque chose, peut-être je m'écoute pour la première fois aujourd'hui. Ne passe plus le temps à parler de ton passé. Quand tu parles de ton passé, ça t'affaiblit. On sait que tu as échoué. Tu sais que tu as échoué. Et il y a même des personnes que quand tu rencontres, pas besoin de leur dire que tu as échoué. Parfois tu rencontres quelqu'un, la personne te voit comme une femme forte. Waouh! Waouh! Merci Leïla. Après tu commences à dire oui. Tu sais, vraiment, l'année passée, j'étais dans un foyer où on me tapait jusqu'à. Oui, il a escroqué mon argent. Il a. Tu gardes d'énergie le tout. Oh, oh, oh. Tu as encore pop-t'un? Tu as tout gâté. Il y a des personnes que quand tu rencontres, tu fais comme ça. Si ce n'est pas nécessaire que tu donnes un détail sur toi, même dire que tu es marié ou que tu étais marié, c'est le jour où on prend ton passeport, on regarde, on dit que hey, tu es ex-épouse ou bien on voit ton statut divorcé, que hey, oui, c'était ça, ça c'est nécessaire à quoi? C'est nécessaire à quoi? Je n'ai pas besoin de te dire que je suis divorcée. On peut te voir comme ça que ton ventre est revenu en place. On ne sait même pas que tu as accouché 4 enfants. Hein? Le bain de sel ouvre mes portes, développe mon commerce. Et Seigneur, c'est plus que génial. Il faut seulement continuer. Si ce n'est pas qu'il y a les végétures, que quand tu sais, quand tu es dans la chambre, tu enlèves l'habit. Il voit, il dit que hey, tu as accouché. Tu as besoin de lui dire pourquoi. Hein? Excusez-moi. Parce que le chocolat sera la même chose. Peu importe le nombre d'accouchements. Ce sera la même chose. Tu n'as pas besoin de le dire. Hein? Voilà. Elle est en train d'aller acheter un terrain de 4000 mètres carrés en France pour un projet. Elle dit quand même, madame, vous allez devenir milliardaire. Le goût de ça. Je suis tombée sur une autre millionnaire ici aujourd'hui, non, au Radisson. Oui. Quand elle racontait, ça me plaisait pas d'écouter. Quand elle écoutait comme ça, j'avais le goût. Il manquait seulement la bière où je connais peu importe. Je fais que. Bienvenue, monsieur Pat. Vous allez rajeunir. Vous allez Wanda sur vous. Tu laisses comme ça, tu laisses seulement jeune tous les jours. Tu laisses seulement jeune. On te dit que. L'autre jour, je devais faire une procédure. Si on m'a demandé une photo 4x4. J'ai sorti mon porte-monnaie. Généralement, je fais des photos que je dépose dans mon. J'ai vu les anciennes photos. Je n'arrivais pas à envoyer les photos. C'était pas moi. Je ne sais pas si j'ai encore ça ici. C'était pas moi. J'ai dit que ça, c'était pas moi, ça. Les scènes sur les yeux. La fatigue sur le corps. Qui dit che. This is who. Who be this? Attendez, je vais chercher la photo là. J'ai trouvé une des photos. Cherche l'autre. Voilà une des photos. Regardez comment elle était. Regardez-moi. Regardez comment elle était.
J'avais fait ton lavage avec tes trois enfants. Hein. Regardez. Il dit que je ne peux pas envoyer la photo aussi. Je ne peux pas envoyer. J'ai pris la photo d'aujourd'hui. J'ai envoyé. Quand je me suis regardé, j'ai comparé. J'ai dit que je reviens de loin. Regardez-moi. Ceux qui ne m'aiment pas, ne regardez pas mon direct. Ça va vous faire mal. Hein? Béranger, mon chéri, comment tu vas? Il n'y a pas de jalousie ici aujourd'hui. Hein? Merci pour les fleurs, Béranger. Merci. Chocolat, Béranger. Les jaloux vont se pointer ici. Et il a fait quoi? Il a quoi de plus? Donne ta vie à Jésus. Toi-même, donne ta vie à Jésus. Si c'est l'injure, Jésus, toi-même. Tu vas sur ma page, ma première vidéo parle du bain de pipi, de sel, ok? Hey, donc tu penses que je t'ai accepté une fois? J'ai enfin accepté Béranger, hein? L'ange du corps dit que la force de caractère qu'elle dégage maintenant est la discipline, le courage, yes! Le bain de sel, c'est la chimamelu. Je n'ai pas encore pris les produits, mais je ne me suis pas encore consulté par vous. Si tu fais là au bain de sel, au moins c'est bien. Bonjour de la Martinique. J'ai les petits, Tu vas m'épouser, papa. Je bois le vin. J'aime bien le... On appelle ça comment? Oh, Moscato. Ah, c'est très sucré, ça saoule vite. Souvent, j'aime le vin rouge et du moelleux. OK? Comme ça, tu apprends à me connaître. J'aime les macarons. OK? quand c'est bien si on drague ta go, hein? Tu ne peux pas accepter les choses comme ça, c'est devant toi. Laisse ça. Hein, Pat? Tu es sûr de ta place, hein? J'ai aimé les Oreos. Mais là, depuis, vous avez remarqué que j'ai perdu du poids. Donc, j'ai coupé sur toutes les sucreries. Je ne mange que les arachides du village. La seule chose que je prends. OK? Que les arachides du village. C'est ma seule chose qui peut grignoter là-bas. Donc, vous avez remarqué que j'ai maigri quand même, non? Voilà. Mon poste partout m'est passé. Donc là... J'arrive à faire mon sport et à faire ma ligne, mon truc sans souci. Avant, j'avais des soucis quand je faisais du sport. J'avais encore le ventre qui faisait mal, mais là, ça va. Et mais tu as payé la consultation, hein, chéri? Merci, Flore. Aïe, tu m'aimes, Kofi. Aïe, les déclarations d'amour sur moi aujourd'hui, là, c'est grave. Merci. Merci pour l'amour. Aimez-moi, oh, quand je suis encore en vie. Témoignez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour ma... Si je meurs, là, ne venez pas mon deuil commencer à faire... Si je ne te connaissais pas, il va me lever et te gifler. Vous avez suivi, non? Merci beaucoup pour tes fleurs, Béranger. Thanks for the flowers. Pas bien, oh, c'était vraiment ma reine. Je m'apprêtais un jour pour venir la voir. Un jour, c'est quoi? Un jour, Baka. Hé, qui était derrière moi? La consultation aujourd'hui, c'est... On va descendre à 45 000 aujourd'hui. Souvent, quand je suis en direct comme ça, là. Et tu es mon unique. J'ai annoncé ici officiellement que je suis polyandre. Comment tu peux dire que tu es mon unique? Hein? Pourquoi tu me réveilles quand j'essaie de ne pas te trouver depuis... J'ai pas dérangé quelqu'un. J'ai pas dérangé. Béranger envoie son niveau. Je crois que c'est le seul qui m'envoie les fleurs. Pardon, envoie tes fleurs, papa. Si j'envoie même 50 fleurs par jour, c'est pas petit. Donc, comme je vous disais, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes filles, vous vous simplifiez beaucoup les filles. Peu importe ton âge, tu peux m'écouter, tu as 22 ans. Hein? Tu peux m'écouter, tu as 22 ans.
et tu fais tes choses, ça marche. Tu deviens autonome. Bonjour Nadia de l'Allemagne. Ne vous dites pas que, oh, j'ai des jeunes filles qui me disent, oh, j'ai pas d'argent. Quand le gars va te donner l'argent, hé, pas t'as commencé à envoyer les fleurs, oh. Pat, tu m'envoies aussi les fleurs. Seigneur. J'aimerais dire que discutez pour quand vous voulez. Oui, tu peux avoir une consultation privée, Béranger. Du coup, on va parler en même temps. T'inquiète. J'ai à parler avec Pat. C'est pour ça que j'ai à parler avec Pat. J'ai moi dit, je ne suis pas une femme à homme unique. Donc, si tu viens, tu me parles à côté là. Il faut connaître sur quoi je suis. Il ne faut pas me donner un mot de tête après. Voilà. Chaque homme a son pays. Chaque homme a son pays. Voilà. Moi, je vous dis en avance. Comment on fait? Si tu as PayPal, tu cherches le moyen par lequel tu peux payer. Tu écris le numéro dans ma bio. Tu payes par ce numéro-là. Et puis, je peux te parler. Oh, que ta voix... que le meilleur offre la voiture. Pat. Toi, tu as ta juridiction. Reste là-bas aux États-Unis, Pat. J'espère que Béranger n'est pas aux États-Unis. Faut me laisser les hommes si. Voilà. Mettez sur votre profil polyandre. Vous avez compris les filles. Tu mets sur ton profil, son profil WhatsApp. Polyandre. Quelqu'un en voulant te draguer derrière, il connaît. Voilà. Il commence à me dire que c'est qui ça? C'est qui? Ok. Je crois que même si quand un homme draguait une femme, il lui disait déjà au départ que j'ai déjà une femme, tu as en voie d'être la deuxième, je pourrais avoir une troisième. Je pense que il y aurait moins de pression ou de déception. Et quand il dit comme ça, il assume. Béranger, tu parles déjà. J'ai dit polyangle. Voilà. Arrêtons de nous stresser. On stresse les femmes, pourquoi? Hein? Chacun a son pays. À ton avis, si je viens dans ton pays une fois tous les 3 mois, les 2 autres mois, là, tu veux qu'elle fasse comment? Tu veux qu'elle fasse comment? Allons dans la logique des choses. Hein? J'ai entendu le conseil là hier. Aïe. Mais oui, il faut dire la fin. J'ai de beaux yeux. Tu vas me transformer. Peut-être c'est moi qui vais te convertir, papa. Ne jamais prendre quelqu'un en espérant transformer la personne ou changer la personne. Tu es en train de partir sur un terrain glissant. Très glissant. Oui. Ah, voilà un troisième, je vais t'épouser. Oh! Vous croyez que le mari... Je vais mettre 3 bagues sur ma main. Je vais mettre 3 bagues sur ma main. Franchement, ils sont en train de se prendre dans les commentaires. Vous parlez, vous parlez même trop, pourquoi? Elle ne parle pas trop. Bonsoir, vérité. Elle est fille. Est-ce que l'homme là, ça bavarde pas beaucoup? C'est avec les actes qu'on te voit, c'est tout. Hein? C'est tout. Je vois un troisième qui sort et dit qu'il va t'épouser. Doigt là, c'est long, non? Ça peut prendre beaucoup de bagues. Il y a même les bagues qu'on met ici en haut. Il y a les bagues qui restent ici là. Ça risque de l'air refroidi en chambre. Pourquoi? Il dit que chacun a sa ville. Vous n'allez même pas vous voir. Chacun a sa ville. Tu restes dans ta juridiction. Tu ne bouges pas pour aller chercher quelqu'un ailleurs. Voilà. Comment faire pour la doter? Tu veux me demander la prière? Tu te laves avec le sel. Tous les gens qui bèguent la prière là, est-ce que vous vous lavez avec le sel? Oh, tu es le premier, tu fermes la porte au reste. Voilà le genre d'homme qui arrive dans ta vie, tu es indépendant, tu fais tes choses, il commence à dire que reste à la maison. Reste à la maison. Qui va gagner la canne? Je m'en fous. Ton nom c'est je m'en fous, non? Qui va gagner la canne? Je m'en fous. Hmm? Tu trouves une femme, elle fait sa vie, elle est dans ses voyages, dans ses trucs. Tu commences à dire, assois-toi à la maison. Oh, vous-même aussi. Le sel, ça colle le corps. Ne te lave plus au sel alors. Kavia, bonsoir. C'est vrai qu'on est en train de rire, mais j'insiste parce que beaucoup d'entre vous, vous me regardez, mais vous ne travaillez pas sur vous. Et c'est un peu triste, je pense.
Les femmes épanouies et dynamiques, c'est super. Ouais. Dexter. Gahakapa. Kan Gahakap. Ça ne donne pas l'argent. S'il vous plaît. Faites vos lavages au sel. La dame avec qui j'ai parlé ce matin dans le direct, si vous avez remarqué comment elle était en train de parler, tu veux une femme comme moi, t'inquiète pas, j'ai des exemplaires en vente. Ok? La femme que j'ai rencontrée ce matin, si vous avez bien écouté ça, son dialogue, elle ne blague pas. Quand elle reçoit une intuition, elle reçoit une direction, elle suit. Beaucoup d'entre vous, quand vous tombez sur mes vidéos, vous me classez juste comme si ce que je dis, ça ne va pas vous aider. Je vous parle des personnes dont leur vie a changé. Des personnes dont la vie a changé. Vous me suivez bien? Hein? On t'a dit que je suis belle et gentille en face. Et... ok. Matin et soir, le lavage. Matin et soir. Quand vous recevez des directives, obéissez aux directives. Papa, si tu es le Béninois, là, si tu es nouveau, va dans mes vidéos. Regarde ma première vidéo, je parle du bain. Tu regardes d'abord ça avant de revenir. L'étoile du Nord, ça me dit quelque chose, non. Voilà. Après la prière du matin, tu as reçu deux coups de fil d'opportunité d'affaires. Ce matin, j'ai été guidée à faire plutôt une méditation guidée avec vous. Donc, j'espère que vous avez suivi ça et que vous avez mis en pratique. Consultation privée aujourd'hui, pendant que je suis en direct, c'est 45 000. Normalement, c'est 80 000 pour me parler. Donc, Béranger qui dit qu'il veut me parler là. Comme c'est toi, tu vas payer 55 000. Normalement, il ne doit pas réduire pour toi. Tu n'as pas la chance avec les hommes. Tu es pauvre, je suppose. Hein, ma chérie? 30 000, c'est pas pour lui. 30 000, c'est la consultation express. Si tu, par contre, tu peux payer l'étude de carte à 20 000. L'étude de carte, c'est 20 000. Tu n'as pas de chance avec les hommes. Pourquoi tu ne te concentres pas d'abord pour avoir ton argent, ma chérie? Hein, chérie? Après la méditation, tu as eu l'écoulement du ventre. Béranger, j'ai dit 55 000. Tu payes 10 000 au-dessus. 10 000, c'est mon jus. C'est parce que les Decepticons et les vrais pubis n'ont pas encore trouvé leur cerveau. Non, ça va arriver, on se la vaut seul. Les filles, pourquoi vous voulez forcément avoir la chance? Pourquoi ne pas établir des activités qui vont te rapporter l'argent? Hein? Ah, vous venez toujours, oh, je veux l'homme, je veux l'homme. Pourquoi vous ne dépassez pas ça? Même si tu rencontres un milliardaire, tu crois qu'il va prendre tout son argent pour te donner? Hein, chérie? C'est comme si on vous a vendu le rêve, en fait. Le groupe de prière, tu écris, il y a un lien dans ma bio. Tu écris là-dessus. Tu dis groupe de prière. On va t'envoyer le lien, tu cliques dessus, tu entres dans le groupe. Si on t'attaque depuis 2020, on ne peut pas attaquer ton commerce en 4 ans, ma chérie. 4 ans, c'est beaucoup. C'est vous comme ça là, vous êtes dû avec votre argent. On attaque ton commerce depuis 2020. Tu parles de quoi? Merci, Flore. Tu ne blagues pas, et on t'attaque depuis 2020. Pardon, mamie.
tu veux l'argent. Tout le monde veut l'argent. Tu as suivi, chérie. Tout le monde veut l'argent, Nouchka. Prenez mon numéro, 237-693-50-22-66. Bamini from Sri Lanka. I'm good, thank you. I speak in French today, Bamini. Okay? Donc 237 693 50 22 66. Pour intégrer le groupe de prière, je suis en train de donner le numéro, non. Tu écris dessus, tu dis que tu vas entrer dans le groupe de prière, c'est tout. Le jour où tu es fatigué, tu sors. Tout chez moi, c'est l'indépendance. Si tu n'apprends pas à être autonome, parce que vous vous attendez à ce qu'elle vous appelle. Que tu n'es... Pourquoi tu ne viens plus dans les services? Ouais. Pourquoi tu dis que, ah, pasteur, je vais venir. Après, il t'appelle encore. Je dis, tu es où depuis? Tu écris, c'est une autre qui répond. Bien sûr, c'est ma secrétaire qui répond. Tu crois que c'est qui devait répondre? Tu ne viens pas depuis à l'église, pourquoi? Oh, pasteur, tu manques au pasteur. Il court derrière toi. Non, je ne vous courrai pas après. C'est chacun qui sent dans son corps. Vous suivez? Bon, les lectures de cartes, c'est 20 000 francs. J'ai une liste ici, normalement, pour la lecture des cartes. Monsieur le chocolat, je ne peux pas financer le chocolat. Si tu vois que tu vas venir avec moi, non. Tu payes ton billet. Je ne peux pas financer. Tu as un chocolat, je ne peux pas te financer. Tu as compris? Voilà. Je n'ai pas encore vu. Les hommes n'ont plus honte de demander l'argent aux femmes aujourd'hui. Je ne vous comprends pas. De nos jours, les hommes n'ont plus honte. Un homme te demande l'argent, hoha. Jesus. Ouvrez même les choses, déguisez même les choses. Tu as éteint la lumière? Ah non, ça va. Le réseau est parti. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça a bugué. J'espère que c'est revenu. Hey, les hommes avaient la drague ce soir. Don César, bonsoir. Le coq français. Vous aimez ma puissance vibratoire. Merci. Vous me voyez flatté. Merci. Monsieur Don César. Mon numéro est dans la bio de TikTok. Hein. Donc dans la bio, si vous cliquez, vous allez voir le numéro. Bon. Ceux qui ont payé les lectures de cartes, je vais vous lire maintenant.
S'il vous plaît, donnez-moi la liste des lectures de cartes, s'il vous plaît. Donc, César, je n'ai pas ton numéro. Je ne pense pas que TikTok, c'est un endroit pour se contacter. Je t'ai demandé de me contacter, tu ne l'as pas fait. Donc, si tu veux m'embrouiller dans mes directs, là, il faut partir. Tu me dis que tu m'attends avec ma Mercedes. Tu m'as dit que tu étais à l'aéroport. Non, je n'étais pas à l'aéroport. On ne m'embrouille pas. Je ne fonctionne pas sur l'embrouillage. Soit j'accélère, soit je freine. Tu as suivi. Moi, vous connaissez, vous avez souvent parlé comme ça. Après, quand elle te voit là, tu es. Non, je ne veux même pas. Je suis à Abidjan mardi. A plus donne César. Oh my God. La drague aujourd'hui, là, c'est terrible sur moi. Merci, Dexter. Ne fais même pas l'effort pour vous séduire. Vous avez même pointé cela pour vous séduire. Alors, on va faire comment? Sophie, bonjour. Donc, j'attends la liste pour les lectures de cartes. Oui, je suis belle, hein. Merci. Ah, c'est ça qui vous plaît. Intéressant. Haïa. Adjouf, bonsoir. La lecture des cartes, c'est 20 000 francs. Tu fais un envoi Orange Money ou bien Airtel en fonction de ton pays. Bonsoir, MC. Zora, comment tu vois ma lumière? Tu as Wave? Tu es dans quel pays avec Wave? Je peux te donner Wave de la Côte d'Ivoire. PayPal, ça passe, oui. PayPal, c'est... Si tu as le quoi noter, tu écris Aurélie. Aurélie Michel. A-U-R-E-L-I-E Michel. M-I-C-H-E LLE 2017@gmail.com. Voilà, ça c'est PayPal. Tu aimes mon sourire, Véronique. Merci. Donc, je vous ai donné PayPal. Tu es à Dubaï. Non, Wave ne va pas marcher si tu es à Dubaï. Si tu es en France, tu dois faire Orange Money ou TapTapSend. Oui, tap tap send, ça marche. Tu fais tap tap send à ce numéro. Plus 237. 655. 31. 0750. Maya, bonjour. Comment tu vas, Maya? J'aime ton nom, Maya. Ramsès, je vais bien, merci. Ominga. Ah. Ok. J'ai acheté ça aujourd'hui. Je crois que tu peux mettre là-bas. Non, non, le dry et puis la couette. Numéro tap tap sen, c'est le 237 655 31 0750.
Béranger. Aurélie Michel 2017 @gmail.com. Tu as vu dans le plastique? Ce qui est dans le plastique là-bas? Il y a un autre qui est petit. Voilà, c'est celui-là. Le poule, le matelas. Tu mets sur le matelas. Il avait été doré, je pense. Voilà. Tu es nouvelle, tu pleures quoi, Matt? Tu arrives quelque part, tu pleures seulement. Waouh, Chanty. Mes paroles t'ont donné du courage. Waouh. Tu as essayé le visa deux fois. Tu n'as pas eu. Gaïe Joe, non. Gaïe Joe. Le nom, c'est Abé Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. Abé Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. Abbé Solo Charles, ça c'est ça le nom. Voisin, merci. Dubaï et Sénégal, Wave Marche. Oui, du Sénégal, tu peux envoyer. Donc prends le numéro quand même. Plus 225. 07 79 02 52 05. Motivateur, merci pour le compliment. Donc tu demandes le numéro, tu n'as pas de quoi écrire. Donc ça que l'argent va vous poursuivre. Quand l'argent sera là, vous n'aurez pas de quoi prendre l'argent là. Bon. Si vous payez, il n'y a pas de prénom pour Abbé Solo. J'ai dit Charles. Charles. La ville du Médois là. Charles Bronson. B-R-O-N-S-O-N. Bronson. Béranger, je vois ton message. Je t'envoie le numéro. Le résumé. J'ai insisté sur le fait que vous devez travailler sur vous. Je suis à Abidjan pour une semaine, à partir du 23. Donc du 23 au 30, je suis à Abidjan. Bronson, B-R-O-N-S-O-N. Ariane, comment tu vas? Comment va ma petite fille, la soeur jumelle de ma fille? Que je suis lesbienne. Sandrine, tu veux me draguer aussi? Il n'y a pas de souci, drague-moi. Moi, je ne dis pas non. Drague-moi. Je suis au Cameroun samedi, juste samedi. Donc, je travaille sur les gens samedi, ce samedi qui arrive. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de travail physique sur les gens au Cameroun. Sandrine, il faut me draguer, non? Ok. Tu me demandes alors pourquoi? Tu me demandais pourquoi?
Au Cameroun, ça doit là. Une rumeur dans le quartier. Oh yeah, Sandrine. Tu peux me draguer, il n'y a pas de problème. On dit que je suis sorcière. On dit que je suis lesbienne. C'est ce que tu m'informes maintenant. Pourquoi pas? C'est une bonne chose. Les gens qui sont lesbiennes, là, ils ne vivent pas. Hein? Laissez les gens être heureux. Hein? Tout ça, c'est parce que vous aimez fouiner dans la vie des gens. Vous êtes pauvre, vous êtes aigri, vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas heureux. Hein? Toutes les lesbiennes que j'ai vues sont très heureuses. Très heureuses. Très. Ça m'a vraiment particulièrement marqué. Jusqu'à je me suis dit que peut-être de l'autre côté, là-bas, il y a les bonnes choses. Il n'y a pas de numéro pour le Sénégal, mais prends le numéro de la Côte d'Ivoire. Tu peux, à partir du Sénégal, tu peux envoyer. Donc, plus 237. Non, pas 37. 225. 07. 07, bien sûr. 79. 02. 52. 05. Oui, le lavage à distance, c'est 40 000 jusqu'à samedi. Elle regarde et commence à parler toute seule. Ta fille me regarde et commence. Ta fille de 6 ans est. Elle vient me demander des abonnés. Tu sais comment ils travaillent pour mes abonnés. Pardon, attends, tu me bloques. Tu viens d'abord dire que je suis lesbienne. Après, maintenant, tu demandes les abonnés. Vraiment, rien, rien, rien dans le sac. Rien dans le sac. Rien dans le sac. Il n'a rien fait. Pardon, attends, tu te bloques. Okay. La jalousie n'est pas bien. Mais 400 000 abonnés, mon frère. Attends, tu te bloques. Il veut pas les mauvaises oeils sur moi aujourd'hui. Mais t'as ceux qui disent vous me détestez, mais vous n'écrivez pas. Vous me détestez dans votre cœur. Votre ngari, quoi, seulement seul. Oui, c'est 20 000. Tu m'as vu à Baby Fashion. Hein? Ah, merci. Princesse, tu déranges beaucoup. Hein? Maintenant, tu viens nous donner une parole de plus. Ah, pardon. Vous ne saviez pas que je bloque les gens. Hein? Je bloque moi les gens, pardon. La tête te bloque. Merci pour la glace, ma chérie. Ariane, merci. Et que, on ne peut pas me déranger, Béranger. Je les bloque. Et que, la tête bloque l'autre, cela, elle voit un peu. Voilà. Aïe, que le sang de Jésus. Ok, tu as vu ma peau là, j'ai les boutons. Que le sang de Jésus lave. Tu as vu les boutons sur mon visage. Un visage propre comme ma passe. Mais le sang de Jésus. Je n'ai même pas le make-up, je suis belle. Oh. Et même pas le make-up, je suis belle. Tu veux me dire que le sang de Jésus. Faut me laisser. Le lavage au sel, tu fais ça matin et soir, chérie. T'as compris. Aris, bonsoir. Tu viens de la Côte d'Ivoire. Ok. Je respire la grâce de Dieu. Merci, Ariane. Ça, c'est ma kouta. Ça, c'est ma personne. On est dans Gwekele ensemble. Oui, Élise, paye à la lecture. Paye maintenant, oui. Non, j'ai pas de représentante au Mali. Kiam, bonsoir. Rosanne, bonsoir. Vous vendez quoi? Si quelqu'un tombe sur ma page pour la première fois, ne demande même pas une lecture de carte parce que ça ne servirait à rien. Vu que j'ai le visage net, merci. Miel béninois, bonsoir. Tu viens de payer sur PayPal. J'ai pas reçu de notification, chérie.
Oh, le temps m'a réparé. Oh, 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 bim. Ton prénom, c'est quoi, chérie? Toi qui as payé, là, ton prénom, c'est quoi? Et tu as payé combien? On parle de quoi ici? Quand tu arrives quelque part, tu t'assois, tu écoutes ce que les gens disent. Marlise. Non, je vois Béatrice. Je vois Christian. Je vois pas Marlise. Tu as payé, ça s'est affiché en pounds. En livres sterling. Mes voyances ne sont pas gratuites, mes chéris. C'est pas gratuit. C'est le souci de ta mère, c'est pas ton souci. Tu dis que tu as un souci quand ta mère s'endort, vient lui donner à manger. C'est le problème de ta mère, c'est pas le tien. C'est le problème de ta mère. N'achetez pas les problèmes de vos parents. Aurélie Michel, 2017. J'ai précisé qu'il y avait 2017 sur ça. Tu n'as pas mis 2017. Tu vis à Makepe, c'est hier que tu as découvert ma maison. Hein. C'est que c'était le jour. Tout se passe toujours dans le temps opportun. Marlie, c'est Aurélie Michel 2017@gmail.com. Et tu demandes qu'il paye mes services. Non, ne te dérange pas, Rosanne. Il ne paye pas, je ne fais pas. Je ne fais pas les consultations gratuites. Absolument pas. Tu peux payer pour qu'elle consulte ta mère, mais pas 10 000. Je me rappelle très bien de toi qui avais payé 10 000. Je ne fais pas 10 000. Absolument pas. Bonsoir Monique. Monique Clairsin, tu vas bien? Pat, tu viens me. Tu, je suis arrêté. Yes, yes, je dis que les yeux doux. Ok, tu aurais dû me suivre à Baby Fashion. Un jour, j'ai rencontré une jeune fille de peut-être 25 ans dans l'avion. Et je ne sais pas pourquoi notre sac collé. Quand on était à l'aéroport là-bas, on s'est assis l'une à côté de l'autre. Elle était avec sa mère. Elle est partie au Cameroun pour la soutenance de, je sais pas, sa soeur, un truc comme ça. Une Camerounaise qui s'est installée au Gabon. Non, c'est une Gabonaise qui allait fréquenter au Cameroun. Elle a fait l'université au Cameroun. Et j'avais mes cartes sur moi. Je l'ai consultée dans les airs. Hein. C'était trop cool, quoi. Elle avait une très belle énergie. Je l'ai consultée dans les airs. Elle a sorti mon argent, mais 80 000 cash, elle m'a donné. Après ça, ni vu ni connu. Comme un bon coup, vite fait, bien fait. C'était très cool, quoi. C'était très cool. Elle avait une très belle énergie. Très, très belle. That was nice. Quand on faisait encore les faux trucs. Tu es dans le bus, tu dis que tu veux faire. Tu es dans l'avion, tu dis que tu veux faire. Ceux qui ont réussi à faire dans l'avion, dites-moi un peu, pardon. C'est possible. Je parle de faire une consultation, hein. je parle pas d'autre chose. Je parle comme ça que vous avez d'abord pris l'avion. Je suis là, vous dites même quoi comme ça. Bon, t'as déjà dit les gens qui ont payé. Je ne vous parle pas, ce n'est pas possible en pensée. Quittez avec ça, vous l'avez imaginé pour me dire. Vous pouvez avoir pris l'avion quand même. On vous dit de ayez l'argent. Ayez l'argent, la pauvreté n'est pas bien.
C'est 20 000 francs. Malise, l'argent que tu as envoyé ne suffit pas. Ce n'est pas 25 pounds. Tu m'as envoyé 25 pounds. Tu as ajouté 2 pounds sur ça. Ajoute 2 pounds. Ce n'est pas ça. Tu as suivi. Non, je ne consulte pas mal les jongleurs. Avec ta jonglerie là, tu veux que j'entre dans ton énergie. Une consultation, tu me parles. C'est ça qui est 45 000 aujourd'hui. Oui. Et la lecture de cartes, tu ne me parles pas. Je te lis, je t'envoie. Donc, regarde un peu tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc, le salon là, c'est un Louis XIV. Donc, je pense que je vais prendre ça. Ça me plaît bien. De sous-sous. Hey, c'est les pauvres qui supplient. Malise, il reste 2 pommes. Envoie 2 pommes. Tu as compris? Tu as payé 30 euros. Envoie 32 euros. Envoie complète 2. Ça ne suffit pas. Tu as compris, Malise? Mon argent doit suffire net, net. Soit ça dépasse, soit ça suffit. Ça ne doit pas être en dessous. Vous délivrez vos oreilles. Organise quelque chose en France, non? Comme ça, on vient sur place. Vous faites d'abord quoi, Mbeng? Ça parle de quoi ici? La tête bloque. On arrive quelque part, on s'assoit, on écoute. On ne bavarde pas. Bon, je vais lire la première dame ici, là. Ceux qui ont payé, vous envoyez juste le message. Dans ma bio TikTok, il y a un numéro, un lien. Vous cliquez. Et vous pouvez écrire là-bas. Vous envoyez la capture de votre paiement. Il n'y a même pas les hommes qui bavardent tout ça. Tu viens m'animer dans mon direct de jour et découvre que tu es pauvre, je te bloque. Tu as suivi? Le jour où je découvre que tu es pauvre, je te bloque. Que votre place n'est pas assurée ici. Pourquoi tu ne leur expliques pas comment ça fonctionne? Si tu viens d'arriver, tu t'assois, tu écoutes. Ne cherche pas à me parler le premier jour. Ah, Malise, tu as complété mon agent. Écris alors à Nibor, je peux te lire maintenant. Soit je te lis comme ça, mais tu n'auras pas l'audio. Soit tu écris le lien dans ma bio, hein, ça tombe sur un numéro. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pour toi? Tu es en formation spirituelle. Et tes guides sont en train de... Tu es en formation spirituelle. Tu es en train d'apprendre à maîtriser tes pouvoirs. Tu es en train d'apprendre... Oh my goodness. On m'a dit, que tu es en train de... Je suis pas en train de lire ma liste. Je lis une autre ici, là. C'est pas toi que je lis. Donc, tu es en formation spirituelle. Tu es en train d'apprendre... à ne plus te négliger ou te simplifier. Je vois un peu comme si tu avais... Tu as un peu ce truc qui fait que tu étais... comment on dit ça? Tu manques beaucoup de confiance en tes pouvoirs. Et pourtant, tu as des dons. Hein. Tu peux voir l'avenir. Tu peux écouter. Tu peux, oh my goodness. Tu as aussi un art oratoire. Tu as un don d'art oratoire. Ta bouche, normalement, a beaucoup de pouvoir. Et il y a aussi des blocages qui font de telle façon que tu ne peux pas... tu as des blocages qu'on a envoyés sur toi de telle façon que tu vas beaucoup travailler et parfois tu ne verras pas les résultats de ton travail. Voilà. Tu es une personne qui aime beaucoup aider les gens. Tu es une personne qui aime beaucoup aider les gens. Et tu es censé normalement avoir beaucoup de personnes qui travaillent avec toi. Je te vois peut-être faire une association ou une œuvre caritative. Cette dame-ci, on l'appelle comment? La reine galloise. Voilà. Peut-être tu l'admires beaucoup, mais on me dit de te dire que c'est quelqu'une que tu as la même énergie qu'elle. Donc, tu es censé faire des choses que les gens voient et ça les encourage.
et ils viennent encore plus. Tu es aussi une personne avec beaucoup de dons. Donc, je t'ai parlé de la reine galloise, je t'ai parlé aussi de tes dons. Tu es aussi très créatif. Tu as une énergie de... Et tu es censé beaucoup voyager. Oh là là. Peut-être tu es marié et immobilisé, on va dire comme ça. Mais normalement, dans ton énergie, tu es une personne que tu es censé beaucoup te déplacer. Tu es ici, là, l'esprit te dit, va de l'autre côté, tu pars. Après, l'esprit te dit, va là-bas, tu pars. Donc, tu as ça en toi. Et quand tu pars là-bas, tu rencontres de nouvelles personnes, des choses bougent et ça avance. Dieu est amour et non religion. Amen. 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 C'est fou, les chrétiens sont très, très violents. Les chrétiens, c'est comme si vous propagez la haine même souvent. Oui. Marlise, tu as déjà écrit. Les chrétiens sont souvent très haineux, malheureusement. Allez regarder dans la Bible. Ces personnes consultaient. Ils consultaient. Ces personnes tiraient au sort. Il y avait des décisions qu'en prenant. Ils disaient que si ça tombe à gauche, on part comme ça. Si c'est pile, on va à gauche. Si c'est face, on va à droite. Ce qui tombe là, ils font, ils partent. Parfois, vous ne connaissez pas ce que la Bible dit. Et vous êtes en ligne ici en train de critiquer les gens. Marlise, tu ne m'as toujours pas répondu. Marlise, écris sur le numéro qui est dans la bio. Bonsoir, Kwame qui est nouveau. Être de lumière, tu m'aimes, merci. TikTok avec les questions. On vous dit, vous lavez au sel, vous ne vous lavez pas. Après, vous venez avec les questions. Bonsoir. Homme politique, tu m'aimes. Merci. Imaginez un jour, un monsieur, tu parles comme ça, là, ta femme est connectée sur le direct. Il dit, je vous aime. Bon, tu rentres le soir comme ça, là, fais ta fête. Et je suis à Douala samedi. Je fais les lavages sur les gens samedi. 40 000 francs. Tu regardes mes vidéos chaque jour, tu n'as pas répondu. Là, je dois là, je travaille chez les gens à Makepe. Mon bureau est à Makepe. Bertine, merci. Merci beaucoup, tonton.
Je ne vais même pas te répondre. Mes bains marchent vraiment. Pour ceux qui mettent en pratique, oui. Quelle politique commerciale? Toujours à faire argent. Oui. Toujours. Brice, comment vas-tu? Sors un peu le matin, là, tu te déplaces. Tu manges sans argent. Tu marches sans argent. Tu voyages sans argent. On verra. Va à l'agence de voyage, tu supplies, tu dis donne-moi un ticket, s'il vous plaît. On verra. Ce sont les gens qui sont pauvres qui parlent, qui, quand on parle d'argent, ça les dérange. Marlise, on va voir ce qu'il y a pour toi. Oui, j'ai des faux comptes. J'ai des gens qui vous écrivent. Quand je vous donne, mais je vous mets mon numéro, vous n'écrivez pas. Vous ne m'écrivez pas. Maintenant, quand on va, les gens vont venir vous contacter. Ils vont vous escroquer. Mais tant mieux. Bon, on va voir ce qu'il y a pour ton énergie. Tu es très connectée, ma chérie. Tu as des dons. Tu as des dons de voyance que tu dois commercialiser. Mais je vois comment tu as un blocage. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en ce que tu portes, en fait. Et tu as été abusé dans tes relations. On a beaucoup abusé de toi. Donc, ça t'a un peu fatigué. Et cette fatigue a fait que tu rates tes opportunités. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui se pointent vers toi. Tu es aussi très connecté aux astres. Tu as beaucoup d'idées qui arrivent. Ton intuition est en train de se développer. Et tu dois être, normalement, tu dois être leader dans un domaine particulier. Tu dois être un leader dans un domaine particulier. Donc, on me dit de te dire cela. Waouh. Deux cartes pour cela. Est-ce que tu as commencé des activités? C'est comme si tu es une personne qui a eu des initiatives pour créer quelque chose. Mais ça a été attaqué. Donc, ça n'a pas été le premier coup. Ça n'a pas été le deuxième coup. Et là, c'est en train de revenir. Mais je vois comme si on t'a attaqué dans le sens où on a bloqué ces choses, ces business. Soit ces business, soit ces activités caritatives. Et on a bloqué de telle façon que tous tes efforts, c'est comme si tu ramais sur place en fait. Ouais. Donc tu as de nouvelles opportunités qui vont arriver, mais cette fois tu dois être plus sage, plus prévoyante. Voilà, tu dois être prévoyante. Et tu auras plus d'énergie cette fois-ci. Un peu comme si tu venais cogner un mur, tu pars, tu charges. Voilà, tu vas limer ta machette, tu reviens pour couper l'arbre. Voilà, on me dit que tu es plus chargé qu'avant spirituellement. Il va falloir que tu te disciplines. Que tu visualises beaucoup, pratique beaucoup la visualisation, ça va t'aider. Donc si tu peux, tu prends un kit fondation, ça va t'aider. Un kit commerce. Il y a le kit commerce à Paris actuellement. Tu peux prendre un kit commerce. Roger! Tu étais où? Tu étais où? Fais quoi? C'était pas sur le travail ici là, non? Tu es parti sans me dire? Non, tu n'étais pas là. Non. Même lui, il ne savait pas. Le gars qui travaille avec toi, il ne savait pas là où tu es. Quand je suis sorti ici le matin, je partais d'abord. Tu es pas à la pointe de Nice, tu tombais dans l'eau. Hein? Tu ne me dis pas. J'allais dire quoi à ta femme? La femme m'a appelé parce que je suis ici. Non, laisse, tu ne parles pas. Mon problème avec toi, c'est que tu ne communiques pas. Le problème, c'est que je n'ai pas le téléphone depuis. Tu as laissé quelqu'un ici, non? Tu avises à la personne que je pars à tel endroit? Je vais te pénaliser, moi je ne blague même pas avec toi. Je t'assure, je vais te pénaliser, je pénalise qu'avec l'argent. Je ne veux pas savoir papa, je t'informe seulement. Même le grand ne savait pas là où tu es parti. Mais normalement c'est lui qui devait dire, mais j'ai pas le téléphone. Laisse, c'est pas le téléphone, on parle seulement. Il n'y a pas de problème. Tu es venu le laisser ici qui travaille, non? Non. Je l'ai bien dit aujourd'hui. C'est ton gars là que tu as laissé qui travaille, non? J'ai dit qu'il devait travailler seul aujourd'hui. Ça va, il n'y a pas de problème.
Parlons. On va parler qu'après. Tes pénalités vont justement sortir qu'après. Tu ne communiques pas avec les gens. C'est ça qui m'embête. Laisse. Ne veux pas le vrai sur ça. Chérie, tu as envie d'écouter ma conversation avec le jeune homme. C'est là. Il te faut prendre le kit. Tu peux prendre le kit commerce et tu prends un lavage à distance. Et tu dois relancer les activités que tu avais arrêtées. Bonsoir, Tanné. Brice. L'ambassade vient de t'envoyer un message. Mais va à l'ambassade, prends ton passeport pour voir. Pourquoi vous aimez trop ça? Hein? L'ambassade vient de t'envoyer un message. Mais va à l'ambassade, tu prends ton passeport, tu vas voir. Comment vous faites ça? Bon, Brice, je vais te tirer deux cartes. La première, tu as beaucoup d'idées, tu es quelqu'un de très créatif. Tu dois normalement mûrir ta page sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes aussi ont attaqué ta confiance en toi. Beaucoup de personnes qui ont attaqué ta confiance en toi. Ce n'est pas par hasard, c'est intentionnel. Ils t'ont attaqué intentionnellement. Bon. Ça, c'était pour toi. Ouais, mes chéris, je ne dis que ceux qui ont payé. Je me suis pointée dans ce direct pour vous expliquer quelque chose. Et je crois que le but a été atteint. Ce n'est pas en pleurant que tu vas attirer mon attention. Hein. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas dans ça. Vous avez des problèmes. Lavez-vous avec le sel. Parfois, vous restez, vous savez que je veux contacter la femme. Si vous ne me contactez jamais, ce n'est pas quand tu vas me voir dans la rue. Que tu vas dire, ah, je voulais te voir. Je vous dis souvent que les gens qui vous bloquent ont l'abonnement chez les marabouts pour vous. Vous ne comprenez pas. Les gens qui vous bloquent, ils ont l'abonnement mensuel chez vous. Pour vous, pardon. Jusqu'à quand on te regarde, on là. On voit moi tes choses marchent. On dit, oh. Il faut qu'on appuie encore. Ces choses marchent pourquoi? Numéro privé, c'est dans la bio. 237-655-310750. Si tu te laves déjà avec le sel, c'est bon. Plus 237, 655, 31, 07, 50. Merci beaucoup, le roi Brice, sa majesté, merci. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez savoir qui vous êtes. Beaucoup d'entre vous, vous tournez en rond. Ayez la foi que vous êtes guidé. Je vous assure, depuis 4 jours, je cherchais un salon. J'avais besoin de ce salon-là pour...
je voulais décorer un de mes logements, mais j'avais besoin d'un style particulier. Et je voulais un style un peu antique. Mais voilà, je... aujourd'hui, je tombe sur un chauffeur. Il est un peu vieux comme ça, là. Gentil, apaisant. Je le prends d'abord pour une petite course. Après, je me dis... j'ai dit, bon, ok, je reste avec lui. Apparemment, le carburant manque un peu à Libreville. Donc, on tourne, on cherche le carburant, on cherche... Après, finalement, il passe dans une ruelle. Je vous assure, je vois les meubles, ça vient d'Égypte. Je vois exactement les meubles que je voulais. For the reading is 20,000 CFA. Quand il a garé, je suis sorti, je me suis dit, waouh. Les guides, si là, c'est pas la blague. Quand j'ai regardé, en fait, je ne savais même pas quoi dire. C'était too much. Ta vie est compliquée, c'est bien, mamie. Tu me dis qu'elle fasse comment? Tu veux que je fasse quoi? On vous dit, lavez-vous avec le sel, vous ne vous lavez pas. On fait les vidéos, vous écoutez, vous voulez seulement vous plaindre. Hum? Vous avez des guides avec vous. La spiritualité, mais d'abord, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a parmi vous que même si on vous dit 50 ans, 50 000 ans, on perd le temps derrière vous. Aidez-moi! 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 Voilà tout ce que vous savez faire. Ayez confiance en ce que vous portez. Comme tu te lèves le matin, tu dis que bon, j'ai besoin de ça. J'ai besoin. Couvre-toi d'abord de lumière pure. Mets des intentions pures. Beaucoup d'entre vous, votre cœur est noir. Quand il vous dit ça, vous croyez que vous insulte. Votre cœur là n'est pas bien. Assaut, votre cœur est noir. Moi, je bloque les gens. Hein. Je te bloque d'abord. Le numéro, c'est le 237-693-50-22-66. On vend les savons, ça m'a capé. Les gels aussi. Alima, c'est dans les numéros. De repas dans mes vidéos. Ma première vidéo parle du bain que tu demandes. Mon numéro est dans la bio. Va dans la bio. En fait, je me casse même pourquoi. Les gens qui. Mes vrais clients, ils sont à partir de cliquer sur mon numéro depuis. Les gens que vous ne voulez pas, les anaqueurs vont vous contacter. Ne vous dérangez pas. Les anaqueurs vont vous contacter. Et me dit, ma coucou, je vois sur toi un petit voile. Ma coucou. Puis tu vas venir me dire que c'est votre numéro ici. Un jour, une fille se fait arnaquer. Elle se fait arnaquer. Hmm? Elle envoie l'argent à l'arnaqueur. Avec ma photo. Hein. Un
Elle vient demander sur le vrai numéro que c'est vous ici. Je dis, mais tu es normal. Tu passes une page. Tu laisses le vrai numéro. Tu peux envoyer l'argent au faux numéro. Tu reviens sur le vrai numéro, demander si on a reçu l'argent. Il dit, ma chérie, je bénis ton offrande que tu as envoyée à la NACA. C'était l'offrande, c'était quoi? Vous ne tomberez pas. Vous suivez. On monte, on descend. Vous ne pouvez pas tomber. Je reste la seule et l'unique. Non, tu viens voir une page qui a 400 000 abonnés. Tu peux voir une autre page qui a 2 000 abonnés. Si tu vas aller t'inscrire là-bas. Ouais. Je ne suis même pas d'abord sur tout le monde. Parce que tu vas partir là-bas. Quand il va commencer à te dire que wow, je te fais la réduction. Si tu veux, tu parles. Ça ne me dérange pas en fait. Mais sachez que vous ne tomberez pas. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui tombent dans ça, c'est parce que d'abord, même au fond, là, votre cœur là n'est pas très bien par rapport à moi. Laissez le bonheur vous envahir. Bon, on va faire la prière. Il est presque 18h. Je vais lancer la prière maintenant. On jeûne aujourd'hui, donc on va fermer le jeûne. On clôture le jeûne dans 15 minutes. Donc ceux qui sont dans le groupe, je vais lancer le Zoom. On va voir le lien Zoom et vous vous connectez. Ok? Tout à l'heure.